Ah oui, il y a une collaboration spéciale ici. Je suis passée au vote, j'ai demandé qui voulait garder cette intro et vous étiez plus que le trois quarts à vouloir, donc nous y voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un haul Sephora, mais pas n'importe quel haul Sephora. C'est un haul spécial parce que c'est Sephora avec Colourpop et me suis dit mais mon dieu quelle collaboration de rêve. Mais avant tout il y a plusieurs trucs que j'ai à dire au sujet de ça. Des trucs sympas et des trucs un peu moins sympas. Truc sympa, c'est que bah, au lieu de prendre un mois, ça prend deux jours à arriver à la maison. Pas de frais de douane, encore un win. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on peut utiliser les trucs avec le cashback, Ebates et tout ça. Donc on peut utiliser ça pour ça. En plus, on accumule des points chez Sephora pour éventuellement avoir des échantillons sympatoches et tout et tout. Donc je trouve que c'est sympa, en plus c'est toujours les mêmes prix et par contre je pense que nous on a de la taxe par-dessus, mais bon c'est plus ou moins la même chose. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si c'est pas bon on peut le retourner aussi, ça c'est cool parce que la politique Sephora reste la politique Sephora, donc c'est très sympa. Toute la collection est nouvelle et au début ils disaient que c'était une collection exclusive à Sephora et du coup moi comme une débile mentale en allant faire mon petit pipi à 4h du matin je me suis arrêtée devant mon ordinateur qui était déjà prêt sur ma page le 31 octobre. J'ai validé ma commande, il devait être 4h02, voilà. ce qui fait que tout est là, voilà. Et mais j'ai appris récemment que finalement la collection qui était supposée être exclusive à Sephora allait être aussi sur le site, donc si vous pouvez pas mettre la main dessus maintenant parce que vous n'êtes pas dans un, vous n'avez pas accès au Sephora US ou Canada, vous pourrez l'avoir par le site US, le site officiel de Colourpop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tous ces produits là je ne les connais pas. Il y a deux items que j'ai pas pris, c'est à dire la boîte avec le best of des highlighters parce que j'ai, premièrement je les ai déjà tous, deuxièmement il y a un highlighter à l'intérieur que je déteste qui s'appelle Spoon. Donc si jamais vous hésitiez avec ce coffret là, je vous la, il a plein de paillettes, donc si vous aimez la paillette, c'est de la paillette 100%, allez-y. Si vous n'aimez pas ça, je vous conseille pas ce trio là. Et l'autre kit, c'est un kit avec les meilleurs Super Shock Shadows, donc ceux qui sont ronds, qui ont fait leur succès. Lui, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas du tout les Super Shock Shadows, il y a vraiment le best of the best dans ce kit-là, sauf que je les ai tous. Donc, en plus de ça, il y a des séries illimitées, genre tout ce qu'ils avaient fait pour leurs anniversaires et tout ça. C'est super, c'est super intéressant comme kit, vraiment. S'il y en a un que vous devriez essayer, ça serait celui-ci qui est beaucoup plus unique et beaucoup plus qui est à la source du succès des Colourpop. Voilà, passons au haul maintenant. Donc il y a deux kits pour les lèvres. Il y en a un, c'est du gloss, et l'autre c'est un gloss et deux ultra satin lip. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Si par hasard vous voulez une première impression sur les palettes à venir ou quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Premièrement, 1, est-ce que vous voulez une première impression? 2, sur quels items? Comme ça je pourrais sélectionner parce que genre il y a 6 produits à lèvres, 2 palettes et 3 fards à paupières. Donc ça va être complicados. Donc ça c'est les glosses. Comme ceci, j'ai rien essayé encore, je sais pas s'ils sont bien ou pas. Alors il y en a qui s'appelle Obvious. Bon, aujourd'hui on va faire ça comme ça hein. Donc vous voyez que les gloss Colourpop sont pas mal pigmentés, donc c'est des c'est pas quelque chose qui est très discret. On a lui qui s'appelle Fairy Me. Et je ne vois pas ce que je fais. Oh, lui il est beau, Fairy Me. C'est comme un rouge orangé avec plein de petites paillettes dorées. Il est vraiment beau lui. L'autre il est plus cuivré. Lui, plus cuivré marron. Et lui il est plus neutre. Il s'appelle Lazy. Très sympa. Donc ça c'est les trois glosses. L'autre trio c'est You're a Gem.
C'est, moi je dirais que des deux, ça serait plus lui le kit à, si vous voulez découvrir Wallapop, c'est vraiment plus le kit intéressant parce que premièrement, les Ultra Satin Lips sont géniaux, c'est une super cool texture et c'est presque mat mais c'est pas mat et ça tient super longtemps, la pigmentation est de fou. Et en plus de ça, vous avez un Ultra Glossy Lip donc vous pouvez essayer deux formules de Colourpop dans ce petit kit là et vous avez trois couleurs super différentes, une froide, une chaude et un gloss plutôt nu. Alors allons voir, le gloss il s'appelle Charming. Ouais. Lui il est pas du tout comme les autres du kit de tout à l'heure, il est beaucoup plus transparent. Ça c'est le Ultra Satin Lip qui s'appelle Catching. Il a l'air super beau celui-ci. Ça. Mais il a l'air beaucoup plus foncé dans la vraie vie, non? Ouais. Super beau. Et lui, il s'appelle Miss Behaving. Voilà. Je préfère vraiment plus Catching. Il a l'air beau. Lui là, un gros coup de cœur. Donc ça c'est le kit. Franchement ce kit là il a l'air vraiment meilleur que l'autre. Enfin si vous aimez les gloss pigmentés, oui. J'y arrive pas. Je trouve ça aussi très sympa que les produits à lèvres soient par 3. Si jamais vous voulez offrir quelque chose à Noël et que vous avez des paquets genre ou des bas de Noël ou offrir quelque chose pour votre meilleur ami ou vos collègues de travail, vous pouvez les séparer en 3 puis faire plaisir à 6 personnes différentes. Ensuite on a deux palettes. J'ai la palette Semi Precious. Sur le site elles avaient l'air beaucoup plus grandes mais pour le prix en même temps je m'attendais à rien de miraculeux. Donc c'est comme ça l'extérieur et l'intérieur c'est que des couleurs d'automne. Alors on va essayer quelques-unes. Et bien sûr je suis attirée par un bordeaux, un lilas et un kaki. J'ai déjà eu des fards à paupières beaucoup plus chers qui fonctionnent beaucoup moins bien. On va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, je suis impressionnée par cette espèce de periwinkle là, bleu lila. C'est sûr que je vous reviendrai avec un haul update parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vous montre ce que j'ai, vous décidez ce que vous voulez voir et après ça, j'exécute. Ensuite, il y a cette palette là. Alors, cette palette là, au début, je voulais pas la prendre. J'aime bien qu'ils aient mis les couleurs en arrière pour moi qui n'arrive jamais à savoir quelle couleur et quel nom. Merci. Je voulais pas la prendre parce que sur le site ça avait l'air pas mal les mêmes couleurs, genre cette rangée là sur le site avait l'air, ces quatre couleurs là semblaient identiques et ces quatre couleurs là semblaient identiques aussi. Après je me suis dit non mais si je le prends pas je vais avoir un faux mot puis là après ça je vais regretter toute ma vie, c'est édition limitée. À l'époque je savais pas que ça allait revenir en novembre sur le site de Colourpop donc finalement je me suis exécutée, je me suis dit c'est pas grave, en plus sur la description c'est écrit une nouvelle formulation, ça se dit une formulation, une nouvelle texture, une nouvelle formule super glittery, je dis c'est pour moi, ça m'appelle Glittery, nouvelle formule. Ok, j'essaye. Alors, j'ai pas testé encore. Je vais essayer lui. Et lui. C'est beaucoup plus crémeux que l'autre avant. Ça envoie du pâté. Après il faut essayer sur les yeux mais je vois pas de paillettes. Je vois que c'est très métallique. Mais super glittery, je vois pas la différence. Bon. C'est chelou. Et je finis avec trois super shock shadows nouveaux. J'adore cette formule, j'adore les super shock shadows. Et là, petit plus produit. C'est super bien emballé.
Parce que des fois, quand ça arrive avec Colourpop, ça arrive dans une boîte. Bon, certes, il y a de la mousse par-dessus, mais ils mettent la boîte, ils mettent tous les items et après ça, ils mettent la mousse et du coup, ils arrivent pétés. D'ailleurs, à ce propos, hier, j'ai reçu une autre commande Colourpop. J'ai une autre batch ici qu'il va falloir que je vous montre bientôt. J'ai une palette et il y avait un fard à paupières qui s'est pété. Très malencontreux. Gros fail, j'ai parlé trop vite, c'est cassé. Vous voyez, c'est cassé là. Mon vernis match avec la boîte. Donc non, le papier à bulles n'y fait rien du tout. Alors on aura appris ça aujourd'hui. Alors lui, c'est la couleur Révolution. Et ça a l'air vraiment très beau. Très joli. C'est un espèce de vieux rose avec des petites particules argentées dedans. Très beau. Lui, il s'appelle Fluffy, qui est un or un peu... On dit qu'il y a un petit duochrome rose dedans. On va mettre ça ici. Waouh. Je ne sais pas si vous voyez le shift un peu rosé sur le... sur celui-ci, sur Fluffy. Mais il y a moins de paillettes. Dans l'autre, il y a plus de paillettes. Micro paillettes, hein, mais il y en a quand même. Moi, j'aime bien les ors pas trop jaunes, en fait. Et lui, il s'appelle Bouncy. Il a l'air d'avoir plusieurs couleurs avec son marron. Oui, oui, oui. Mon préféré, je dirais que c'est celui-ci, que je trouve plus unique des trois, mais j'aime vraiment les trois. C'est tout ce que j'avais comme haul aujourd'hui. Il est petit, mais il y a beaucoup de choses à essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up si ça vous a plu. On se retrouve tous les samedis, tous les mercredis et tous les lundis. Merci beaucoup à mes marraines d'avoir supporté cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux aussi. Ils sont tout en barre de description. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Bye!